Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour l'épisode d'information de juillet. Alors, tout d'abord je voudrais vous remercier parce qu'on a atteint la barre des 70 abonnés, ce qui est absolument énorme, ça continue d'augmenter, je suis très content. Bon, ça a fait un peu yo-yo entre 66 et 70 à un moment, mais au final ça s'est stabilisé à 70, je pense parce que c'est les vacances. Et en tout cas j'en suis très content. Bon, alors, comme d'habitude, passé, présent, futur de la chaîne, ainsi que des informations. Alors passé, on a fini Mountain Blade saison 1, qui a été vachement apprécié, donc d'ailleurs forcément il y aura la saison 2, vous inquiétez pas. Ça sera sans doute sur l'extension With Fire and Sword. Elle n'arrivera pas tout de suite, parce que j'ai encore vraiment beaucoup de choses à faire, mais elle arrivera sans doute plus vite que prévu. Vous verrez pourquoi. Alors présentement, en ce moment, ce qui se passe sur la chaîne, il y a le guide pour bien débuter à Factorio qui a commencé. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui est là, donc il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde, mais je suis quand même un peu content parce que voilà, ça augmente un peu. Il y a des gens qui regardent et qui apprécient, c'est plutôt pas mal. Alors le jeu est assez complexe. Du coup le guide va être un peu long, il y a 16 épisodes. Ça va être un petit peu long à sortir, mais ne vous inquiétez pas. Et le futur, évidemment, le guide va continuer. Et en plus, il va y avoir des nouveautés. Alors, je vais vous expliquer. Alors, tout simplement, je vous ai compris. Il y en a beaucoup, beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé d'augmenter la sortie des vidéos. Moi, j'ai dit, ok, si je peux le faire, c'est-à-dire 3 vidéos, enfin une vidéo tous les jours à jour, ça me suffit amplement pour pouvoir faire autre chose à côté et pas trop me prendre le chou avec la chaîne. Donc je suis pas à temps plein dessus, forcément, l'année prochaine je vais à l'INSA de Blois, donc j'aurai vraiment moins de temps. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, je fais quand même des saisons qui sont quand même vachement longues. Voilà, donc plus de 15 épisodes, ça commence à faire un petit peu long, à coup de 3 jours, ça commence à faire, tout simplement. Et du coup, je pensais que ça allait être un petit peu lourdingue. Donc j'avais deux options. Soit j'utilisais un système où je faisais une saison longue, puis après une petite saison. Mais bon, s'il y a une saison de 30 épisodes, ça va faire pendant 3 mois une seule saison. C'est un peu lourdingue. Oula, qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Attendez. Je m'en occupe. Alors, pourquoi tu... Je me suis transformé en vampire. J'étais pas censé me transformer en vampire. Et merde, du coup il y a des gens qui viennent me chercher. Bon, attendez. Vous savez quoi, on va recharger. On va recharger cette partie, ça ira très bien. Pourquoi il m'a attaqué comme ça? Surtout que je suis censé avoir mon arme. Ouais. Je sais pas. Donc j'en étais au niveau du rythme, soit j'alternais une grosse saison, une petite saison, une grosse saison, une petite saison, mais du coup s'il y avait une saison de 30 épisodes, ça ferait 3 mois d'une saison. Un petit peu lourd, même s'il y a 2 petits trucs à côté. Donc du coup j'ai décidé d'opter pour quelque chose d'autre, c'est-à-dire que lorsqu'une saison démarre, je lui laisse 10 épisodes, et ensuite... Bonjour à vous, camarades. Puissiez-vous rencontrer la mort, l'épée entre les mains. Génial, je suis content. Et ensuite si... Comment dire, si ça dépasse 10 épisodes, il y aura une série qui commencera au bout de 10 épisodes en même temps. Du coup, pendant un certain temps, les deux séries vont se côtoyer. Bon, maximum 2, sinon je tiendrai pas le rythme. C'est-à-dire qu'il y aura forcément 10 vidéos par mois, et, voire plus, du coup. Et ça me permettrait de commencer... Voilà. Ça me permettrait d'enchaîner les séries beaucoup plus facilement. Ce qui soulagerait un petit peu ma charge de travail, en fait. Enfin, ce qui soulagerait ma charge de travail tout en vous laissant un petit peu de... des vidéos à voir, quoi. Et des contenus un petit peu différents. C'est-à-dire que ça sera pas pendant 3 mois du Mountain Blade, et ceux qui aiment pas Mountain Blade, ils l'ont dans le cul. Tout simplement. Du coup, ça me permettrait de varier un petit peu, que tout le monde soit content. Voilà, donc au niveau du rythme, c'est ça. Je vais faire ça comme ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, tous les 20 du mois, il y aura un petit truc qui va se passer, genre, comme toutes les 2 semaines, il y a une présentation de vidéo, comme tous les 15 du mois, il y a les informations comme aujourd'hui, et bien tous les 20, il y aura une petite série, soit du Age of Empires 2, une carte, comme certains l'aiment, soit d'autres choses, voilà, un petit truc,
sur quelques jours, pas grand chose, mais un petit truc histoire de varier un petit peu les plaisirs. Voilà. Donc c'était toutes les informations que j'avais à vous donner concernant la chaîne. Bon bah voilà, je suis très content de la tournure qu'elle prend. J'espère que vous aussi. En tout cas, n'hésitez pas à partager la chaîne. Ne vous inquiétez pas, il y aura des vidéos qui vont arriver, des trucs de. Pas de trucs de fou, mais bon. Il y a des projets en préparation. J'ai quand même 50 vidéos d'avance par rapport à vous. Là, je viens de vérifier. J'en ai 189 uploadés. Il y en a 139 de visibles pour vous. Voilà, donc j'ai 50 vidéos d'avance. Donc environ 5 mois à peu près. Mais vous inquiétez pas. Je m'arrangerai pour que tout le monde soit content. Bon, bah en tout cas n'hésitez pas à partager la chaîne, partager cette vidéo, commenter hein, bien sûr si vous avez envie de voir des jeux, de toute façon tous les jeux sont dans la description. Venir me suivre sur Twitter, etc. Et puis à la prochaine, salut à tous !